Bon matin à toutes et tous, et bien voilà, on se retrouve pour la dernière guidance de cette semaine et de ce mois de novembre. Nous sommes vendredi 29 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et bien aujourd'hui, j'ai une énorme pensée terrestre pour ma petite maman qui n'est plus de ce monde depuis déjà un certain temps. Elle était née le 29 novembre, donc c'est le jour de son anniversaire ici terrestre. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est décédée. Elle est décédée très jeune. Voilà, j'ai une pensée pour ma maman. Voilà, je ferme la parenthèse. Eh bien, je ne sais plus, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite philosophie de ce matin, pensée positive, suis-je un bon ami, un bon ami? Et nous sommes-nous dignes de la confiance et de l'amitié que l'on nous accorde? Est-ce que nous sommes dignes? Savons-nous répondre présent quand on nous le demande? Alors, se poser la question aujourd'hui, qu'ai-je fait récemment pour mes amis? Voilà, à penser. Aujourd'hui, j'ai pigé, eh bien, on termine bien le mois, la semaine, joie de vivre. Ma joie de vivre jaillit comme une fontaine de mon fort intérieur chaque être qu'elle touche baigne dans cette énergie positive. Joie de vivre. Est-ce que vous avez la joie de vivre? Moi, je peux vous dire que j'ai la joie de vivre, malgré les petits soucis hein, au quotidien, mais j'ai la joie de vivre. Une vague immense de joie de vivre rejoint ta vie exactement en ce moment. La joie de vivre est essentielle. Elle fonctionne, eh bien, comme un aimant gigantesque. Tout ce que tu désires dans ta vie actuelle afflue dans ton existence présente grâce à cette joie de vivre. Eh bien, c'est la fleur de la joie de vivre qui t'aide à considérer et à célébrer ta vie comme une fête géante. Ouvre tes bras. Ouvre tes bras en grand et embrasse ta vie. Laisse-toi traverser par la joie. Ressens le flot de la joie de vivre emplir chacune de tes cellules. La fleur de vie, eh bien, elle te réconforte pour que tu puisses répandre ta joie dans le monde entier, dans ton monde à toi. La joie de vivre jaillit de toi par vagues comme si elle partait d'un point central. Ce faisant, elle rejoint ainsi tout d'abord ton entourage direct, n'est-ce pas, pour en fin de compte entourer de ce champ de joie la planète tout entière. Tout ce qui est entrepris ou réalisé grâce eh bien, à l'énergie de cette joie de vivre, n'est-ce pas, est hautement positif. Ce rejaillissement de ta joie de vivre contribue dans une large mesure à orienter tout ce qui se trouve sur la Terre en direction d'une énergie positive. Et c'est vrai que lorsque on a cette joie de vivre,
Eh bien, on est positif. Pourquoi être négatif? Même si nous rencontrons un problème, c'est pas parce que nous serons négatifs que le problème va partir. Non. Donc, il faut le prendre positivement. Alors, le défi aujourd'hui. Peut-être que la joie a été quelque peu réduite à la portion congrue dans ta vie pendant ces derniers mois. Tu t'es peut-être laissé influencer beaucoup négativement par ton entourage. Pourquoi? N'étais-tu plus apte à prendre des décisions? Avoir ta vie positivement? Tu as abordé tous les domaines avec gravité au lieu de les considérer avec joie. Toi-même, tu en es devenu accablé. Tu es dans une tristesse incommensurable, dans une profonde douleur. Pourquoi? Pose-toi la question. Eh bien, cette fleur de vie t'offre à nouveau l'énergie, de la facilité et de la joie de vivre. Installe-toi au milieu de ce motif qui transforme, qui libère. Libère-toi de tout ce qui pèse sur toi. Fais de la méditation. Et ressors ensuite de ce bain libérateur et profite de la pulsation de cette énergie positive de la joie de vivre dans tes artères. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as plus cette joie de vivre? Pourquoi es-tu éteinte? Est-ce que tu t'es laissé influencer? Est-ce que les problématiques sont tellement profondes que tu ne sais plus faire face? Alors qu'il y a toujours des solutions, n'est-ce pas? Chaque problème, il y a une solution, et lorsqu'il n'y a pas de solution, eh bien le problème vient de notre tête. Il faut te reprendre en main pour avoir cette belle joie de vivre. C'est important, et prendre les choses différemment peut-être de ce que tu les prends. Et surtout, ne pas te laisser influencer par ton entourage. Ça aussi, c'est très important. Tu es maître de ta vie et toi seul, tu es maître de toi seul de tes décisions. Eh bien, voilà, une belle guidance pour terminer ce mois et cette semaine. Pardon. Et le message de ton âme, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assaillir, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Protège-toi. C'est important pour toi. Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un très très joli week-end de fin novembre. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce, comme ça permet à l'algorithme de référencier ma chaîne. C'est très gentil de votre part, je vous en remercie avec toute ma gratitude. Et puis, ben voilà, passez un excellent week-end dans l'amour, dans la bienveillance, la tolérance, l'empathie. Aimons-nous les uns les autres, prenons soin des autres, prenons soin de nous. Et puis, ben on se retrouve dans une prochaine capsule et je vous embrasse tout fort et je vous dis à très très vite.